et si Tintin était venu au Québec. Jamais pourtant le héros d'Hergé ne vivra l'une de ses aventures dans la belle province. Et pourtant, en 1965, Hergé est accueilli au Québec. De là naîtra une relation privilégiée entre le dessinateur belge et les Québécois. Dans un livre magnifique, illustré de nombreuses photos et documents inédits, Tristan Demers offre au lecteur un livre empreint de nostalgie qui séduira tous les tintinophiles, mais aussi les amoureux du Québec et les amateurs de beaux livres. Tintin et le Québec par Tristan Demers aux éditions Urtubiz. Tristan Demers est sur Web TV Culture.